Bonjour à tous, j'espère que tout très bien. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour savoir comment avoir des gemmes gratuitement sur le jeu Brawl Stars, donc qui est juste ici. Donc juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à regarder dans la description. Il y a le lien du GFX qui m'a fait la miniature, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez surtout pas. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une application qui permet d'avoir des gemmes gratuitement sur Brawl Stars, sur l'autre jeu aussi, Clash Royale et Clash of Clans, mais c'est surtout sur Brawl Stars. Alors juste avant de commencer la vidéo, grâce à cette application, je vous fais gagner une carte iTunes ou Play Store, ça dépendra de votre appareil, de 10€. Donc pour participer, c'est très simple. Donc vous allez, donc imaginez que là vous êtes sur la vidéo, vous mettez un petit pouce bleu et vous commentez ici sur la vidéo, je participe au concours. Voilà, vous mettez ça avec un, voilà. Ici, voilà, vous mettez ça, je participe au concours et c'est bon, vous êtes comptabilisé pour être tiré au sort. Donc voilà. D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Big 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Alors, l'application, comment s'appelle-t-elle? À quoi ça sert? Donc bien sûr, vous avez un lien en description. Alors elle est disponible sur iOS et Android, donc là je suis sur iOS. Et donc ceux qui sont sur Android, vous aurez directement un lien en description. Ou sinon vous pouvez aller chercher l'application dans le Play Store. Moi par exemple dans l'App Store, vous allez voir que l'application que je présente n'est pas disponible. Mais je vais vous la montrer comment. Je vais vous montrer comment avoir cette application sur iOS. Donc là, on y est. Apps Bounty, elle s'appelle. Là, elle n'y est pas. Donc en fait, il faut aller dans Safari. Donc voilà, on va dans Safari. Et là, donc vous mettez. Vous cliquez sur l'application, sur le lien pardon, en description. Sinon, vous mettez, si vous ne trouvez pas, Apps Bounty. Vous allez tomber sur cette page-là. Alors, le mieux, c'est de prendre la première. Donc voilà. Et en fait, alors, soit vous allez directement ici et vous faites Get Started, vous allez vous inscrire tout ça, voilà, Download. En fait, il faut télécharger l'application. Donc ça, l'application, en fait, elle s'appelle Full Screen Browser. Donc vous pouvez mettre, par exemple, si vous voulez, ici, là, sur le Play Store, Blue Screen, j'ai pas retenu le nom exact, c'est pour ça. Blue Full Screen Browser, c'est l'application en bleu. Vous la téléchargez, donc moi, je vais la télécharger. Voilà, elle est téléchargée. Une fois que c'est fait, vous cliquez dessus donc sur l'application et donc vous allez vous inscrire. Donc là, je me connecte. En fait, il me connecte directement à mon compte. Mais vous, normalement, vous allez vous inscrire. Donc il y aura le nom, le prénom, etc. Donc là, je suis sur l'application. Vous faites... Donc voilà, là, j'arrive directement dessus. Là, vous faites Notify Me pour recevoir toutes les notifications. En fait, ça va permettre de recevoir tous les points que vous aurez eu grâce aux applications téléchargées. Donc vous faites Notify Me. Vous faites Autoriser si vous voulez, comme vous voulez. Hein. Et ensuite, ils demanderont un code. Donc le code, c'est LucDu4. C'est comme le nom de ma chaîne en fait. Sauf que moi, j'ai pas mis de code parce que j'ai déjà installé l'application auparavant. Donc ils vont vous demander un code. Vous mettez LucDu4. Alors attendez, je vais vous montrer comment on fait. Alors attendez, est-ce que je peux vous montrer Donc imaginez qu'il y a un icône. Vous mettez LucDu4 en minuscule. En minuscule, vraiment tout simple. Attendez, on va aller sur YouTube. Même pas, on va aller sur ici. Imaginez qu'ils vous demandent le code. Vous allez mettre comme ceci. Voilà, vous mettez comme ceci le code. Vous mettez bien sûr pas là. Vous allez le mettre bien sûr, donc voilà, je vous le montre. Voilà, comme ceci. Et vous allez le mettre donc ici, une fois qu'ils vous demanderont le code d'invitation qui vous fera gagner donc 50 points. Donc voilà, là ça vous reconnecte. Et donc ça vous fera gagner 50 points. Ensuite, donc vous avez plein d'applications. Donc là, il faudra installer les trois premières applications. 50 points, 150 points, 50 points. Pour ensuite télécharger le reste. Donc là, vous avez 500 points, ce qui est énorme. Ensuite, vous avez 328, 327, etc. Et dès que vous arrivez, donc alors c'est reward, dès que vous arrivez, alors vous avez plusieurs choix. iTunes, c'est 6000 points environ, pour 10€. Et pour Play Store, c'est la même chose, donc il faut 6000 points. Donc en gros, on va regarder, non, on va pas aller ici. Donc vous pouvez jouer à des jeux aussi, mais nous on va pas faire ça, mais vous pouvez le faire. Je suis allé en arrière en fait. Allez, connecte-toi. Allez, je relance l'application. Donc voilà, vous si vous voulez, vous pouvez jouer à des jeux, installer des applications, enfin il y a plein de choses. Alors attendez, on repart dessus. Non, je ne vais pas jouer, bon, je vais faire next. Donc là, vous avez un jeu, Jumping. Try again. Là, vous pouvez installer par exemple le Sudoku en 1 minute. Bon, c'est pas mal. Retour. Moi, je veux pas ça. Mince, je veux... Jumping. Je vais vous montrer en fait toutes les... Tout ce qu'on peut faire en fait, parce que là ça montre qu'une seule chose. Donc voilà, là vous avez donc toutes les offres. Toutes les offres.
Donc il faut 6000 points. Donc imaginez, en gros, ça fait à peu près une vingtaine d'applications à télécharger. Donc c'est assez rapide. Imaginons que vous en faites 5 par jour. Donc voilà, vous en faites 5 par jour. Au bout de même pas une semaine, vous avez une carte. Donc c'est ici. Donc vous avez une carte iTunes ou Play Store. Alors Play Store, elle n'est pas là parce qu'en fait, je suis pas sur le Play Store. Mais sinon, vous avez Amazon, 3200 points pour avoir 5 euros. 10 euros, 6250. Vous avez Steam si vous voulez, Minecraft aussi. Et donc, avec ces cartes-là, vous allez pouvoir vous acheter des gemmes sur Brawl Stars. Tout simplement. Donc, alors, attendez, je vous montre juste. Non, je veux pas de ça. Regardez ce que vous pouvez faire aussi. Vous avez aussi des extras. C'est-à-dire que si vous le faites, vous allez gagner encore plus de points. Vous avez aussi donc les offres, ça j'ai déjà montré, bien sûr, les offres là. Donc les extras, c'est pour avoir un maximum de points. Et chaque jour aussi, plus vous téléchargez d'applications, et chaque jour, vous avez des points en plus. Donc là, c'est d'autres applications que vous pouvez télécharger. On va quitter ça. Et donc, vous pouvez également, voilà, jouer à des jeux et gagner. Donc voilà, vraiment pas mal du tout. Vraiment une très bonne application parce que vous avez plusieurs choses. Et en plus de ça, même si vous téléchargez pas forcément beaucoup d'applications, par exemple, on va dire une par jour, le fait de vous connecter tous les jours à cette application vous donne des cadeaux. Vous les avez ici, les cadeaux. Donc voilà, toutes les 24 heures, vous avez un cadeau. Donc là, jour 1, j'ai eu un cadeau. Attendez, jour 1, j'ai eu un cadeau. Jour 2, vous en avez un autre. Jour 3, il y a un super cadeau apparemment. Donc ça va être sûrement 10 ou 50 points. Jour 7, méga. Donc ça peut être parfois 100 points. Ça peut être 50 points ou parfois 100 points. Donc juste le fait de se connecter tous les jours sur l'application, c'est déjà bien. Mais bon, après, si vous téléchargez en moyenne une application par jour, c'est déjà bien, et je pense qu'en 2 semaines, par contre, là, vous aurez une carte. Sinon, si vous en téléchargez minimum 5 par jour, en 1 semaine, vous avez une carte iTunes ou Play Store au choix de 10 euros. Donc voilà, petite application vraiment super bien pour avoir tout simplement des cartes iTunes ou Play Store, et du coup, s'acheter des gemmes sur Clash Royale, enfin Brawl Stars d'ailleurs, d'abord, pardon. Après, Clash Royale si vous jouez au Clash of Clans, donc c'est vraiment pas mal pour avancer rapidement sur le jeu. Donc voilà, maintenant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à partager la vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao, ciao.